Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons utiliser un simulateur. Il existe plusieurs simulateurs en ligne, mais le plus pratique et le plus user-friendly est le suivant, 123d.circuit.io. Il suffit de créer un compte, et une fois qu'on a un compte créé, on peut ajouter des nouveaux circuits électriques et tester nos circuits en ligne sans aucun risque de griller des composants. Donc, nous allons voir comment essayer le simulateur. Donc, nous allons cliquer sur les composants et ajouter une carte Arduino Uno. Et ensuite, on va cliquer sur le Code Editor qui nous permet de simuler si on ouvrait une fenêtre Arduino. Donc, par défaut, on retrouve l'exemple de Blink que nous avons vu dans la vidéo 1. Et si je clique sur Téléverser, on va voir que la LED numéro 13 qui est inclue sur la carte se met à clignoter à une fréquence de 1 Hz. Ça revient à faire ce qu'on a fait dans la vidéo 1, c'est-à-dire le clignotement blink. Merci de votre attention.